Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Equidéo pour la suite de notre aventure. Mais avant, oui, avant, j'ai encore une fois une petite information à vous transmettre. Cette fois-ci, c'est concernant la création d'une équipe sur Equidéo. Donc j'en ai discuté et j'ai accepté de créer une équipe pour les abonnés qui souhaitent bleuper ensemble sans prise de tête. Le choix de la race se passe actuellement sur Discord, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, le lien dans la description, et d'aller proposer et discuter entre vous de la race que vous souhaitez bleuper. Je vous précise que ce sera votre équipe, c'est-à-dire que ce sera à vous de gérer votre équipe. Moi, je ne gérerai rien, mis à part la création et l'hébergement de l'équipe et la création et l'hébergement, bien évidemment, du salon privé que vous aurez sur Discord pour pouvoir discuter et échanger entre vous plus facilement. Je reprécise aussi que ce sera une équipe où vous pourrez bleuper ensemble sans prise de tête. Donc c'est-à-dire qu'on ne vise pas forcément le haut du podium, il n'y aura pas un nombre de bleups imposés par semaine et surtout on ne se prend pas la tête entre nous. On ne se prend pas la tête avec les autres équipes. Le but, c'est vraiment de bleuper ensemble. Donc, on évite toutes les choses qui pourraient nuire un petit peu à l'ambiance de l'équipe et du jeu. Il y a des choses sur lesquelles je vais être très sévère là-dessus. C'est-à-dire que je vous demande à être respectueux entre vous, mais aussi envers les autres joueurs, envers les autres équipes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, sur lequel je fais un point d'honneur à ce que vous respectiez la bonne entente, la bonne humeur qu'il va avoir, et que bien évidemment, vous ne cherchez pas à faire de conflit. Si jamais il y a quoi que ce soit et qu'il se passe quelque chose avec une autre équipe et vous n'êtes pas en tort, je m'en chargerai. C'est vraiment la seule chose que je vous demande parce que je sais très bien comment ça se passe avec les équipes. Et des fois, il peut y avoir des soucis dans l'équipe, mais aussi avec les équipes adverses ou les équipes de d'autres races. Et je veux vraiment que les choses se passent le mieux possible. Donc voilà, si vous êtes intéressés, vous êtes tous les bienvenus. Les seuls mots d'ordre, c'est respect et bonne humeur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment une équipe, je le rappelle, sans prise de tête. Donc on est là pour bleuper ensemble, on est là pour le fun, on est là pour s'amuser. Et c'est ça qui est important. Du coup, voilà pour cette petite info. Je souhaitais vous tenir au courant à travers une vidéo parce que tout le monde n'est pas sur le serveur Discord. Donc tout le monde ne verra pas forcément les conversations qui ont lieu actuellement. Et en plus de ça, j'en ai parlé un petit peu sur Twitch, mais tout le monde n'était pas là au moment où j'en ai discuté. Donc je préfère vous le dire, comme ça toutes les personnes qui verront cette vidéo, en tout cas comme ça une grande majorité d'entre vous pourront être au courant. Donc si vous êtes intéressés et que c'est quelque chose qui vous plairait bien, au moins vous serez au courant. Du coup, trêve de blabla. Oui, vous inquiétez pas, trêve de blabla. Donc c'est parti, vidéo publicitaire, toujours aucune. Ensuite, nous avons les divins, lui c'est fait, on a gagné une couverture d'hypnose. Donc c'est parti pour les topazes. Je n'ai gagné aucune corne d'abondance avec les Xianthos, je vous le dis tout de suite. Après, je n'ai pas caressé de Xianthos cette semaine, voire très peu. Du coup, ceci explique cela. J'ai manqué un petit peu de temps. Il y a eu beaucoup de choses à préparer. Il y a encore beaucoup de choses que je suis en train de préparer. Entre autres, les fêtes de fin d'année, mais aussi un déménagement. Voilà, je vous le dis. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant dans d'autres vidéos, mais aussi Twitch, Discord, etc. Voilà, vous serez bientôt au courant. Avec aussi l'arrivée d'une période où vous allez plus avoir grand-chose, puisque c'est normal, je ne pourrai plus être là. Mais ça sera court. Je vous tiendrai au courant pendant 2 semaines, 2 semaines et demie. Je vais devoir m'absenter sur absolument toutes les plateformes le temps que tout ce que je souhaite faire soit fait et le temps que les fêtes se passent et le temps que le déménagement aussi se passe. Donc voilà, je vous préviens, mais je vous repréviendrai bien évidemment. Du coup, combien de fourchettes ont les chevaux? Je crois que c'est 4, un truc comme ça. Ouais, yes. Parce que 4 membres. Ça se trouve, c'est pas du tout à cause de ça, mais pour moi, ça me paraît logique. Au moins que ça soit en paire, pas en impair.
Tac, voilà, nickel. Le petit Xianthos. Voilà, et le dernier, le petit Archimède, que signifie CSO, concours de saut d'obstacles. Voilà, nickel, c'est parfait. Un dernier truc, oui, ça c'est au max. D'ailleurs, je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai fait dans la semaine. Il y a 15 jours où j'ai pas fait. Mais bon, en soi, ça n'a pas eu une grosse influence parce que j'avais une très très grosse barre d'énergie et le temps qu'elle se charge complètement, j'ai pas trop raté en fait de coups et d'énergie. Donc normalement, on est censé à bien, même très bien avancer sur ce mini-jeu qui se finit, si je dis pas de bêtises, attendez, faut que je regarde, le 2 janvier. Le 2 janvier, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a aussi, ben, comme je vous ai dit, pendant la période de Noël, ça va être un petit peu compliqué. Du coup, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir y jouer. Et ça va être un petit peu compliqué de vous tourner des vidéos, puisque je viens de dire que vous n'aurez rien pendant un moment. Ben écoutez, je vais faire comme je fais dans la semaine. Donc les moments où je jouerai au jeu, je vous tournerai l'extrait et je vous montrerai ça quand je reviendrai. Voilà. Je peux faire que comme ça. Oui, mais c'est le 2 janvier. Et le 2 janvier, après, je suis en déménagement. Oh, punaise, cruel dilemme. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Dans tous les cas, je vais y réfléchir. Je vous ai pas encore prévenu partout. Et malgré ça, même en vous tenant au courant partout, en mettant des affiches partout et tout, il y a des gens qui arrivent quand même à ne pas être au courant des choses incroyables. Partout pourtant. Ah là 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 là. Ouais, j'ai vu ça là, il n'y a pas longtemps. Ah bon, tu live? Oui, je live. Ah bon, tu fais des échanges de robes rares? Oui, je fais des échanges de robes rares. Ah, j'ai raté. Bon, c'est pas comme si j'en avais parlé un peu partout. Twitch, YouTube. J'ai fait une vidéo spéciale. J'en ai parlé sur Discord. Non, pas du tout. Tout va bien. Tout va bien. Ah, oh, je vous aime bien. Vous inquiétez pas, je vous aime bien. Je vous taquine, je vous taquine. Du coup, 17. Allez, petit pactole de Crésus. Je sais qu'il y a des divins qui se cachent là-dedans. J'ai hâte d'en avoir un. Bien sûr qu'on en aura un. Je suis pas défaitiste. Du coup, parce que oui, ce n'est pas cadré pour être zoomé autant. Qu'est-ce qu'on a là? Un cadeau de quelqu'un? On a des écousses. Qu'est-ce que je pourrais prendre en soi? Ça change pas grand-chose. Allez, on va voir ce qu'on nous a offert. Lauriane qui nous a envoyé un petit peu d'avoine. Ensuite, ça, en priorité. Oula, on a un petit bâton, une petite canne à sucre, voilà, sucre d'orge. Oui, la canne à sucre, écoutez, voilà. Voilà. Hop, 1, 2, 3. Ouais, dans tous les cas, ça va me consommer autant d'énergie. Prendre celui-là. On va prendre celui-là. Voilà. Donner 5 chevaux à des pommes de d'autres joueurs. Oui, bien sûr. Donner 5 pommes aux chevaux de d'autres joueurs. Allez, on va aller faire ça juste avant. Non, j'ai pas la possibilité encore. Allez, on va prendre les derniers. Tac. Allez, t'as 5 chevaux, toi, bien évidemment que tu as 5 chevaux. Allez, hop, on ouvre tout ça. Voilà. Petite pomme pour changer. D'habitude, je prends toujours les premiers de la liste, cette fois-ci. Les derniers. Et puis un jour, je prendrai ceux qui sont au milieu, vous inquiétez pas. Si j'y pense. Du coup, voilà, c'est fait.
C'est vrai qu'on a hiver aussi à gagner, on ira voir ça. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ce qui nous permettrait d'avancer le plus vite, c'est de faire celui-là. Mais les 15 points de vieillissement, non, allez. Bâton de fertilité, voilà, nickel. Salle suivante. Et je n'ai plus d'énergie. Donc on va en rester là. Et je vais peut-être essayer de récupérer ça. Ouais. Bon. Voilà. Pour le mini-jeu, on va aller jeter un petit coup d'œil à hiver, mais bon, hiver, c'est un vieux divin, on le connaît. Il fait comme été, printemps, automne, il donne des écousses, il donne 5000 écousses à chaque jour de connexion. Donc à chaque fois que vous vous connectez, il vous donne 5000 écousses, et quand vous en avez plusieurs, c'est 5000 écousses fois le nombre de divins type hiver, été, etc. que vous avez. Mais il a une petite particularité, il ne donnera 5000 écousses que uniquement si vous vous connectez en période d'hiver sur le jeu. Voilà, parce que c'est 5000 écousses à chaque jour de connexion, mais c'est les jours où vous vous connectez, vous êtes en hiver sur le jeu. Donc le plus intéressant, ça serait d'avoir les 4 chevaux saison. Pour que vous ayez 5000 écousses à coup sûr, absolument tous les jours, peu importe la période, la saison où vous êtes sur le jeu. Ça serait vraiment top. Bref, pour l'instant, on n'a que hiver à gagner. Pour 1008. Et un peu cher quand même. Mais bon. 5000 écousses. Tous les jours. Enfin, en tout cas, tous les jours d'hiver. Donc, c'est vachement intéressant. Le plus intéressant, c'est automne, en sachant que automne, si je dis pas de bêtises, on est en automne pas loin de 2 semaines dans le mois, puisque l'automne dure le plus longtemps, c'est la saison qui dure le plus longtemps sur le jeu, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de ça. Donc c'est lui, si vous en avez un parmi tous, le mieux, le plus intéressant, si vous pouvez en avoir qu'un, c'est automne. Il faut automne, c'est lui qui est le plus intéressant et c'est celui qui vous offrira le plus d'écousses au cours du mois. Puisque les jours d'automne, c'est là où il y en a le plus. Bref, trêve de blabla, on va pas trop s'attarder là-dessus. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc on a avancé l'atelier des jouets ensemble, mais je vais aussi vous montrer tout ce que j'ai fait au cours de cette semaine. J'ai oublié, parce que j'ai sauté directement dans le mini-jeu, mais j'ai aussi oublié de vous montrer tout ce que j'ai fait au cours de la semaine. Donc je vous montre. Voilà. Pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai récupéré et autres. D'ailleurs, j'ai un autre truc aussi à vous montrer.
Ouais, c'est gros épisode parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Et encore, j'essaye d'être le plus court sur certaines choses possibles. Donc, on va passer maintenant aux chevaux. Juste avant, je voudrais juste regarder les objectifs. Déclencher un bonus Falabella, ça sera que sur Uranus. Et équiper un cheval avec un bonnet 2 étoiles roses. Je pourrais le faire, on verra si l'occasion se présente, sinon je ferai ça encore une fois sur Uranus. Et comme vous pouvez voir aussi, je suis complètement à la ramasse au niveau des objectifs. Mais je l'ai dit, j'ai été très occupée en ce moment. Et du coup, Equideo a été mis un peu de côté. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, malheureusement, jusqu'à la fin de l'année. Mais vous inquiétez pas, je reviens. Je reviens. Après, ça dépendra aussi, parce que pour le moment, je l'ai dit, j'ai pas trop de boulot. Mais il se peut aussi que je redémarre le boulot et je préfère pas y penser pour le moment. Voilà, laissez-moi décompresser, j'ai beaucoup de choses actuellement à faire et à organiser. Du coup, on va s'occuper des divins. Toujours Shenma, c'est fait. Deux. Longma. Trois. Tac. Tac. Voilà, nickel. On a des points de vieillissement à récupérer. Bon, on va pas faire de robe rare cette fois, ni la prochaine fois. Ça y est, le live échange s'est passé. Bon, il n'y a pas eu foule. J'ai fait quelques échanges quand même, mais vous n'avez pas été nombreux. J'étais surprise. Je me suis dit pourtant, il y a bien la moitié d'entre vous, enfin de ceux qui voulaient participer, qui avaient voté pour samedi. Donc déjà, je me suis dit, c'est bizarre. Où sont-ils? Où est l'autre moitié qui a voté pour samedi? Ça, je me suis dit, ceux qui ont voté dimanche, bon, ils sont pas là parce que ça les arrangeait plus le dimanche. D'ailleurs, il y aura un live échange le dimanche, ne vous inquiétez pas. C'est prévu, il faut juste que je mette ça en place dans 1 ou 2 mois si je peux. Mais après, bon, c'est comme les séances de busage. Vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, tant pis. Tant pis pour vous, c'est pour vous. Tac, tac. Nickel. Tinker. Après, je comprends aussi, je le conçois. Je sais qu'il y a quelques-uns qui étaient là, qui n'ont pas participé. Je conçois que certains d'entre vous n'ont pas une partie non plus bien avancée. Vous n'avez pas des tonnes de robes rares, etc. à proposer en échange, bien évidemment. Donc je conçois à 8000% que ça pouvait être un petit peu difficile de pouvoir y participer. Vous inquiétez pas, ça j'en ai bien conscience, je le sais. C'est pourquoi je referai d'autres séances. Ça permettra à ceux qui le souhaitent de pouvoir, un de ces quatre, en avançant leur partie, pouvoir y participer. Du coup, le Tinker, c'est fait. Ensuite, les Akalteke, j'ai plus qu'à finir certains entraînements, donc c'est de côté pour l'instant. Le Curly, tiens, j'ai fait lui. Bon, écoutez, je l'ai fait, voilà. Toi, j'ai le barrel à finir. On n'a pas un Island Poney aussi à faire? Si, si, il me semble. La nouvelle fiche de Blup. En parlant de fiches de bluff aussi, du coup, ça va décaler tout ça. J'essaierai de vous sortir des petits trucs quand même. J'essaierai. Genre les fiches de bluff ou les trucs comme ça, vraiment les trucs importants.
Pendant mon absence, j'essaierai de vous sortir un petit peu. Un petit peu. On verra, on verra. Ensuite. Oui, lui, je l'ai obtenu avec les échanges. On le bluffera peut-être. Je regarde. 1009. Je vais regarder rapidement. Ou alors je vais le mettre de côté. Non, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté. J'en ai un autre aussi, mais lui, par contre, je vais le bluffer. Là, c'est là, c'est lui que je voulais faire. C'est pas forêt, c'est montagne. Voilà, nickel. Donc lui, c'est bon. On passe au drum. Donc il faut que je finisse en balade en plage. Tac, tac. Au suivant. Voilà. C'est parfait. Et c'est tout. C'est tout, on s'est occupé de tout le monde. On a tout fait. Oui, du coup, je parlais de l'autre dada que je comptais bluper, que j'ai récupéré. Donc ça sera celui-ci, un petit cheval de Banné. Que je compte bluper. Timal. 7008. Vous êtes à combien les autres? 7004. Oui, il pourrait être intéressant. En plus de ça, il y a une robe rare. Donc ça pourrait être sympa. J'ai le gris pommelé, j'ai le B je crois, ou l'alezan. Et en plus ça, on a d'autres robes à récupérer. En plus du fait que ça soit un cheval de trait et que ça pourrait être sympa. Lui, ouais, je l'ai gardé. L'autre, je vais te mettre. Alors, je vais le renommer rapidement avec mes acronymes. TGS. Voilà. Et on va le mettre dans à conserver. Voilà, nickel. Eh bien, écoutez, on a tout fait. C'est bon, on s'est occupé de tout le monde. Eh bien, on n'a plus qu'à féliciter. Et on va pouvoir se laisser là. Je pense qu'avec tout ce que l'on a à faire. Ah d'accord, il n'existe plus. Bon, bah, intéressant. Intéressant. Je pense que avec tout ce qu'il y avait à faire, ça fera un bon épisode. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Encore une fois, pour ceux qui aiment les épisodes courts, bah, celui-là, il va être long, mais vous inquiétez pas, demain, voilà, il y a toujours un long et un court. Toujours. Et bien du coup, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Ekidéo. Allez, des bisous, bye bye!